What's up les gens, c'est Bricker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tout simplement on va parler des pourcentages de risque de tir et comment les améliorer, tout simplement avoir des bons pourcentages, faire des timings parfaits plus souvent, tout ça tout ça. Donc pour augmenter vos pourcentages de risque de tir, tout simplement il vous faut déjà les hot zones. Donc les hot zones, qu'est-ce que c'est? Si vous préférez, c'est les zones chaudes. En gros c'est les endroits où votre joueur il va entrer plus de tirs, ça augmente votre pourcentage de risque de tir à tel endroit. Et comment on les fait? Tout simplement les gars, faut mettre un bail de, allez, 15 paniers par zone. Généralement on en a déjà une bonne partie quand on sort du prélude. Ensuite, deuxième chose les gars, il faut penser à avoir la barre d'énergie Gatorade. En gros, si vous préférez, vous voyez quand vous êtes dans le prélude, vous avez une petite barre bleue juste à côté de votre barre d'endurance. Bah ça c'est la barre d'endurance Gatorade et elle augmente grandement vos pourcentages également. Parce que votre joueur est plus en forme on va dire. Pour la faire les gars, c'est très simple, vous allez juste devoir aller à la salle de muscu et faire 4 ou 5 exercices. Ensuite, troisième et dernière chose les gars, si vous avez des VC qui vous servent à rien, mettez-les dans des bonus. Car les bonus ils augmentent grandement les stats comme l'année dernière. En gros vous aurez des meilleurs pourcentages. Bon bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo, partager la chaîne, tout ça vous avez capté. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'était Bricker, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.